monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la Une. Nous vous souhaitons toutes et tous une très joyeuse fête d'El Moulid et des Nabawi, la fête du naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Et commençons par le président Abdel Fattah Sisi qui a assisté hier dimanche à une cérémonie organisée par le ministère de l'Ouaqf, les biens religieux des musulmans, pour la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Le président a prononcé un discours à l'occasion de cet événement très heureux. Plus de détails dans ce commentaire. Dans son mot de circonstance à l'occasion de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, le président Abdel Fattah Sisi a souligné qu'une conscience rationnelle et une saine compréhension de la religion s'avéraient impératives pour la stabilité et le progrès des nations face à ceux qui altèrent le sens des paroles en changeant son contexte. Tout en répandant les idées destructives et indisciplinées, sapant la capacité des êtres humains à penser correctement et de manière créative pour les détourner de l'exécution des commandements divins, de la reconstruction et de la réforme de l'univers pour le bien de toute l'humanité, pour améliorer l'âme humaine et contrôler son mouvement dans la vie. Le président a affirmé qu'il nous incombe de poursuivre cette mission et cette responsabilité historique et de redoubler les efforts entrepris par les institutions religieuses et les vénérables érudits afin de diffuser les valeurs de tolérance et de coexistence. La croyance en la diversité intellectuelle et idéologique, l'acceptation de l'autre, en corrigeant les idées fausses et diffuser les préceptes tolérants de la religion pour préserver les nobles principes et valeurs de l'islam. L'État poursuit sa mission de sensibilisation et de correction du discours religieux étant une responsabilité solidaire et participative qui nécessite des efforts concrets pour construire ensemble un chemin intellectuel éclairé et rationnel, instaurant une personnalité saine capable de relever les défis et de construire l'État du futur. Le président a poursuivi que l'un des principes du message de l'islam qui a été diffusé par notre exemple bien-aimé et messager est de réaliser la coexistence et la paix sociale entre les êtres humains et le droit de tous à une vie décente. Le président affirme qu'on poursuivra les efforts avec une forte volonté et une détermination inflexible pour construire notre chère patrie, l'Égypte, pour que son président et son avenir soient à la grandeur de son histoire et de sa civilisation, en plus d'offrir cette vie décente à tous les groupes du peuple égyptien. Le président Abdel Fattah Sisi s'est rendu lundi à Budapest pour participer au sommet du groupe Visegrad avec l'Égypte. Il s'agit de la deuxième participation de l'Égypte au sommet depuis 2017, ce qui reflète la volonté des deux parties de développer leurs relations et de discuter de diverses questions d'intérêt commun. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassem Razi. Le président Abdel Fattah Sisi a participé mardi dans la capitale hongroise Budapest au sommet de l'Égypte des États membres au groupe de Visegrad, qui comprend la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président, au début des sessions à huis clos du sommet, a remercié et apprécié l'État ami de Hongrie d'avoir accueilli pour la deuxième fois consécutive le sommet de l'Égypte et des pays de Visegrad. C'est le forum présidentiel auquel l'Égypte accorde une grande importance à sa tenue pour contribuer à améliorer la coordination et la coopération avec les pays membres de ce grand groupe européen. Pour leur part, les chefs d'État de Visegrad ont souhaité la bienvenue au président en exprimant leur souci d'écouter sa vision concernant la situation au Moyen-Orient, vu le rôle vital joué par l'Égypte pour la stabilité de la région de l'Afrique du Nord ainsi que la sécurité régionale en entier. Le président Sisi a souligné que le premier défi de la région et de l'Afrique est celui du terrorisme qui menace les capacités des pays et la sécurité de leur peuple. C'est un défi que l'Égypte a largement réussi à relever et contenir en adoptant une voie globale et intégrée qui ne se limite pas aux affrontements sécuritaires. Mais elle inclut aussi les dimensions sociales, développementales et culturelles, et bien qu'il s'agisse d'une approche nationale, elle nécessite certainement une action internationale concertée
et sincères pour être soutenues et renforcées. Le président a également souligné que parallèlement à la lutte contre le terrorisme et à la déstabilisation et l'insécurité qui en résultent, des vagues d'immigration clandestine se font sur des origines multiples, notamment la détérioration de l'économie et l'alimentation, des conflits internes dans certains pays comme la Libye, la Syrie, l'Irak et le Yémen, par l'intervention de certains pays régionaux dans leurs affaires intérieures. Il a souligné que pour lutter efficacement contre l'immigration illégale, il faut s'attaquer à ses racines et à ses causes avant ses symptômes, dont en premier lieu vient le règlement des conflits régionaux et la confrontation des tentatives de certains pays d'exploiter ces conflits, ce qui nécessite une position ferme de divers pays et entités tels que l'Union européenne, malgré le succès des efforts égyptiens plus que d'autres pour mettre fin à l'immigration clandestine à travers ses frontières maritimes depuis 2016. Les dirigeants des pays du groupe Visegrad ont affirmé leur grande appréciation pour les efforts du président Sissi d'avoir dirigé l'Égypte dans un cadre de politique équilibrée, stable et modérée, qui se sont reflétés dans les grands succès comme la défaite du terrorisme en Égypte et l'arrêt des vagues de l'immigration illégale qui sont des questions d'un grand intérêt pour l'Europe, affirmant qu'ils vont déployer tous leurs efforts au sein de l'Union européenne afin de souligner le rôle égyptien dirigé par le président Sisi à cet égard pour clarifier l'image des situations en Égypte ainsi que les soutenir à bien agir face à toutes les questions connexes, ainsi que les grands efforts égyptiens de développement pour élever le niveau de vie des citoyens en améliorant les services et tous les modes de vie. Dans ce contexte, le président a affirmé l'aspiration de l'Égypte à plus de coopération avec les pays de Visegrad pour transférer les expertises et la technologie, localiser l'industrie et coopérer dans le domaine de l'éducation, de la formation et des universités en Égypte en tenant compte de l'infrastructure moderne dont l'Égypte bénéficie actuellement, qui est à la base du succès de toute coopération conjointe. Le ministre des Affaires étrangères, Samer Chokri, a reçu hier le ministre britannique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, James Cleverly. Les deux responsables ont examiné plusieurs dossiers régionaux, en particulier la cause palestinienne et la situation en Libye, en Syrie et au Liban. Monsieur Chokri a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour instaurer la paix et la stabilité dans la région. De son côté, le ministre britannique a affirmé l'attachement de son pays à renforcer les relations avec l'Égypte en tant que partenaire stratégique de la Grande-Bretagne, louant le rôle égyptien dans le soutien des piliers de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient. Il y a du mouvement dans le complexe solaire de Benban en Égypte. L'énergéticien britannique Globeleq achève le rachat d'une centrale solaire de 66 mégawatts dans le complexe de Benan en Égypte. Cette transaction permettra à l'entreprise de se positionner sur le marché très dynamique de l'énergie en Égypte. Dalia Karam nous donne plus de détails. Engagé dans la diversification de sa capacité installée en Afrique, Globeleq vient d'acquérir la centrale solaire photovoltaïque d'Arc pour l'énergie renouvelable en Égypte. L'installation qui affiche une capacité de 66 MW a été construite dans la seconde phase du programme de tarifs de rachat du gouvernement égyptien. L'Arc a été développé par un consortium formé des entreprises italiennes Energia et Enerai, ainsi que de la saoudienne Desert Technologie. Le consortium cède toutes ses parts dans l'entreprise projet ARC moins de 2 ans après la mise en service commerciale de la centrale solaire dans le complexe de Benban. Globeleq annonce que l'Égypte est l'un des plus grands marchés pour les projets d'énergie renouvelable en Afrique et vise à avoir 42% de production renouvelable d'ici à 2035. Le pays est un marché clé pour Globeleq et cette acquisition fournit une plateforme pour soutenir de nouveaux investissements dans le pays, y compris dans le solaire photovoltaïque, l'éolien, le stockage d'énergie par batterie et à plus long terme le dessalement de l'eau et les projets d'hydrogène vert. L'électricité produite par sa nouvelle centrale solaire est vendue à la Compagnie nationale d'électricité dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité de 25 ans. La centrale ARC a été construite grâce à un prêt de la Société financière internationale, la filiale du groupe de la Banque mondiale responsable du financement du secteur privé. Le projet a également été financé par la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, la Banque arabe d'Europe, la finance InMotion et CDC Group, l'institution de financement du développement du gouvernement britannique et actionnaire majoritaire 70% de Globeleq. En tant que nouveau propriétaire, l'entreprise britannique s'engage à fournir également à ARC des services de gestion d'actifs et à superviser l'entrepreneur en charge de l'exploitation et de la maintenance, Gila Altawakol.
Le producteur indique que ARC sera connecté au centre de surveillance à distance de Globelec au Cap en Afrique du Sud. L'Égypte s'est engagée à développer et à améliorer les services de mobilité proposés à ses citoyens tout en réduisant les embouteillages et l'impact sur l'environnement. C'est ainsi que le pays a amorcé il y a 2 ans la construction du premier et plus long monorail d'Afrique. Voyons ensemble. Engagé à développer et à améliorer les services de mobilité proposés à ses citoyens tout en réduisant les embouteillages et l'impact sur l'environnement. C'est ainsi que le pays a amorcé il y a 2 ans la construction du premier et plus long monorail d'Afrique. Les deux premières rames Innovia 300 d'Alstom destinées au projet de monorail du Caire sont arrivées dans la capitale égyptienne, rapporte le groupe Alstom dans une publication en date du mercredi 8 septembre. Le géant français de l'industrie ferroviaire avait indiqué en juillet dernier avoir achevé la construction des 2 véhicules ferroviaires et entamé leur acheminement depuis son usine de Derby City en Grande-Bretagne pour l'Égypte. Dotées de 8 voitures chacune, les 2 locomotives entièrement automatisées et son conducteur font partie d'une série de 70 trains accompagnés de 280 voitures commandées par l'Égypte dans le cadre de l'exploitation de ces 2 premières lignes de monorail en construction. Le projet des 2 lignes de monorail égyptiennes est conçu pour connecter le Grand Caire aux zones métropolitaines périphériques. La première ligne, longue de 54 km, reliera l'est du Caire à la nouvelle capitale administrative avec 21 stations sur l'itinéraire, alors que la deuxième ligne de 42 km dotée de 12 stations raccordera la ville du 6 octobre à Gizeh. Évaluée à 4,5 milliards de dollars, dont un apport de 2,85 milliards d'Alstom, ce réseau ferroviaire spécifique dont la mise en service est prévue pour 2023 transportera environ 45 000 passagers par heure dans chaque sens. Le projet dans son ensemble, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance a été confié en août 2019 à un consortium constitué de Bombardier Transportation racheté par Alstom et 2 entreprises égyptiennes. En vertu du contrat signé, le consortium assurera pendant 30 ans l'exploitation et la maintenance des 2 lignes. Du quartier gouvernemental à celui des affaires, en passant par les lieux de divertissement et les lieux de culte, la nouvelle capitale administrative est le symbole de la modernité, de la somptuosité et de la puissance de l'État égyptien. La mosquée El-Fattah El-Alim est la cathédrale de la Nativité du Christ, la plus grande église de l'Égypte, se dresse majestueusement à l'entrée de la nouvelle capitale administrative, à 45 km à l'est du Caire. Dalia Karam nous donne plus de détails. Bâtie sur une superficie de 8600 m², la mosquée d'El-Fattah El-Alim se dresse majestueusement à l'entrée de la nouvelle capitale administrative. Elle est la première construction entamée dans la future capitale de l'Égypte. Construite selon le style fatimide avec des éléments ayoubides dans un style moderne qui lie simplicité et luxe, la mosquée peut assimiler jusqu'à 17 000 fidèles avec son énorme entrée recouverte de marbre. Avec ses 4 minarets hauts de 94 mètres, la mosquée est entourée des 2 côtés de 2 grandes salles de réception. À l'intérieur, les couleurs bleu, blanc et doré qui dominent la mosquée confèrent à la fois paix, sérénité et somptuosité. Une coupole de 33 mètres de diamètre de l'intérieur, de 28 mètres de hauteur du plafond de la mosquée et de 42 mètres du sol occupe le centre de la mosquée. Entièrement peinte en blanc, elle est ornée de motifs floraux islamiques et illuminée par un énorme lustre doré de 15 mètres de diamètre et d'un poids de 9 tonnes fixé à la coupole par 76 pailles dorées. 100 autres lustres et des dizaines d'appliques de style islamique complètent l'illumination de la mosquée. 4 autres coupoles se trouvent aux 4 coins de la mosquée, mais celles-ci sont entièrement recouvertes de vert coloré où domine le bleu mêlé à du vert et du rouge. La moquette est d'un bleu roi majestueux avec des rayures dorées qui marquent les rangs des fidèles, alors que le minbar et les 11 portes en bois sont incrustées de nacre selon les célèbres motifs islamiques. Le véritable exploit de cette mosquée est la durée d'exécution du projet qui n'a duré qu'1 an et demi.
Le nombre des ingénieurs et des travailleurs qui ont effectué ce plus grand édifice religieux au Moyen-Orient atteint environ 1500 ouvriers. Alors que le coup d'envoi a été donné mi-2017, la mosquée a été inaugurée le 6 janvier 2019 avec la cathédrale de la Nativité du Christ, la plus grande église de l'Égypte. Cette cathédrale est un véritable chef-d'œuvre architectural. Il s'agit en effet de la plus grande cathédrale d'Afrique et du Moyen-Orient. Alors que les bâtiments de l'église occupent une superficie de 10 000 m², 50 000 autres m² sont laissés à la volonté du pape pour y faire ce qu'il veut. La superficie totale consacrée à la cathédrale atteint 15 000 fédons. Elle accueille le siège du pape pour devenir le siège de l'église orthodoxe en Égypte. Au-dessus de la porte centrale, une énorme icône raconte l'histoire du séjour de la Sainte Famille en Égypte. À droite, une autre icône illustre l'histoire de la naissance du Christ. Et à gauche, une autre illustre la résurrection du Christ, alors que la coupole centrale devra réunir les trois icônes pour raconter toute l'histoire de Jésus. Tous les dessins ont été faits sur place grâce à un artiste égyptien. D'ailleurs, tout est fabriqué à la main par les Égyptiens, racontent fièrement les responsables. Les vitraux, le travail du bois, les icônes, même l'autel a été ciselé et poli à sa place à partir d'un énorme bloc de marbre blanc. Et poursuivons notre tournée dans les principaux sites à la nouvelle capitale administrative avec la célèbre tour iconique, le plus haut gratte-ciel d'Afrique, dont les travaux de construction s'achèveront dans quelques mois et deviendra une icône architecturale non seulement pour la nouvelle capitale administrative, mais aussi pour toute l'Égypte. Un commentaire. Jouissant d'une vue imprenable sur les bâtiments modernes qui poussent dans le quartier central des affaires de la nouvelle capitale administrative égyptienne, des invités chinois et égyptiens ont participé jeudi à une cérémonie d'inauguration de la tour iconique de 385 mètres qui sera le plus haut bâtiment d'Afrique une fois achevé. Il s'agit du bâtiment le plus important de l'Égypte moderne qui marque la dernière réalisation de notre pays, comme l'a déclaré Hassan El-Kassa, le ministre du Logement, des Services Publics et des Communautés Urbaines lors de la cérémonie. Édifiée sur une superficie de 65 000 m², la tour iconique mêlera le plus grand ensemble de fonctions, dont des bureaux, des hôtels, des commerces et d'autres. Lancée le 2 mai 2018, la construction a nécessité 800 jours de travail pour être achevée selon le ministre du Logement. Le nouveau quartier d'affaires, érigé à environ 45 km à l'est du Caire, devrait comprendre une vingtaine de tours. La construction du gratte-ciel a drainé 10 000 travailleurs égyptiens, mais également chinois. La base de la tour iconique a été construite avec environ 18 500 m3 de béton et 5 000 tonnes de barres d'armature. La société chinoise CSCEC, qui contribue à sa construction, a indiqué que la tour témoigne des relations solides et stratégiques entre l'Égypte et la Chine. Dans les eaux égyptiennes et de la mer Rouge, les coraux attirent les touristes plongeurs du monde entier, mais ces récifs sont en train de mourir à cause du réchauffement de l'eau et de la hausse de son acidité. Un commentaire. Le désert noir est situé au sud de l'oasis de Farafra, au Sahara occidental. Ce nom vient du fait qu'une couche de poudre noire recouvre ses montagnes, ses hauts plateaux et son sable. Le désert noir est caractérisé par ses collines isolées qui constituent l'une des caractéristiques les plus importantes de ce paysage. De plus, les collines varient en taille, en composition, en hauteur et en forme, car certaines sont de couleur foncée composées de dolérite et de quartzite de fer, tandis que d'autres sont de couleur plus rougeâtre, car ces roches de surface sont constituées de grès de fer. Quelques-unes des collines du désert sont composées de calcaire blanc. À la périphérie du désert noir, il y a des collines volcaniques noires brillantes qui donnent à l'endroit un charme particulier au lever et au coucher du soleil. Quant aux nuits lunaires, et surtout lorsqu'il y a une pleine lune, le désert ressemble à une peinture à l'huile
d'une station balnéaire au milieu des nuages. De plus, vers la fin du désert, il y a des collines volcaniques noires qui prouvent l'épuration de la dolérite, qui est un matériau volcanique sombre remontant à la période jurassique, soit il y a 180 millions d'années. Ces éruptions ont entraîné la formation de ce type de roches noires. La montagne Al-Marsous est l'une des montagnes les plus célèbres du désert noir. Il s'agit d'un cratère volcanique entièrement recouvert de japs volcaniques. Ce matériau est magnifiquement réparti sur la montagne comme s'il dessinait les rides du temps sur ses rochers et lui donnait la gloire et la vénération de l'histoire. Un autre exemple est la panorama montagneuse que les visiteurs du désert noir utilisaient pour grimper, pour prendre des photos panoramiques du désert noir d'un point culminant. Et c'est de là qu'il tire son nom, panorama montagneuse. Quant à la montagne des Anglais, elle est considérée comme la plus célèbre de toutes. C'est une attraction touristique historique où les touristes se rendent pour visiter les ruines qui remontent à la Première Guerre mondiale. Pendant cette période, les forces d'occupation britanniques ont utilisé cette montagne pour y stationner leurs troupes, car c'est le point culminant du désert noir. En étant au sommet, ils pourraient détecter toute infiltration des forces ennemies. Donc, c'était le désert noir en Égypte. Un peu au nord du désert blanc se trouve le désert noir, proche de l'oasis de Bahariya, un peu plus éloigné de celui de Farafra, à environ 50 km au sud de Bawiti. Et passons maintenant à la citadelle de Chali. Alors, nichée dans une oasis à l'ouest de l'Égypte, la citadelle de Chali à Siwa protégeait autrefois ses habitants contre les incursions des tribus nomades. Aujourd'hui, sa rénovation vise à promouvoir un écotourisme. Voyons ensemble. L'arrivée dans la palmeraie de Siwa, grande coulée verte qui jaillit des paysages arides, est un soulagement. L'oasis est baignée par une lumière douce et orangée. Au loin, des incels verts érodés dominent le lac salé et offrent un décor de cinéma. Les tricycles à moteur, principal moyen de locomotion adopté par les Siwi ces dernières années, grouillent de toutes parts, transportant des passagers recroquevillés dans la benne arrière ou des cajous qui débordent de dattes. Les Siwi sont un peuple sédentaire à l'organisation tribale et aux origines diverses, fortement influencés par la culture berbère d'Afrique du Nord-Ouest, mais aussi par les Bédouins de Libye et des populations venues du Soudan. Depuis la construction d'une route en 1984 liant l'oasis à la ville côtière de Marsa Matour, l'urbanisation de Siwa a explosé et l'activité salière, le commerce de produits agricoles et le tourisme se sont fortement développés. Perchées sur un massif, les ruines de la forteresse de Chali, ma ville en langue Siwi, surplombent le nouveau centre-bourg. Elles sont les traces du passé de Siwa. Il y a une centaine d'années, l'ensemble des habitants de l'oasis vivaient dans une promiscuité extrême sur ce rocher. Aujourd'hui, seule une poignée d'ouvriers s'active dans ces lieux semblables à une grande fourmilière abandonnée. La forteresse de Chali, réputée imprenable, a été érigée au début du XIIe siècle afin de protéger les habitants de l'oasis des attaques de tribus étrangères belliqueuses. De larges remparts de 10 mètres de haut ceinturaient le village. Entre lacs d'étroites ruelles, escarpées et succession de maisons de 4 à 6 étages. En 1926,
Trois jours de pluie diluvienne, rarissime dans la région, ravagée la cité construite en kerchef, un mortier isolant mélange de boue, de sable et de concrétion de sel séché, extrait des grands lacs salés qui bordent l'Oasis. Pour préserver et restaurer ce patrimoine menacé de disparition, l'Union européenne a débloqué 540 000 euros. Un projet cofinancé par l'Agence de développement international pour la qualité environnementale et des micro et petites entreprises à hauteur de 60 000 euros. Les travaux doivent s'achever en 2020. Le projet prévoit également de créer un centre de soins et un haut lieu de l'écotourisme selon les responsables. Pour l'Union européenne, le projet contribuera à stimuler l'économie de Siwa en améliorant sa réputation internationale en tant que destination d'écotourisme de premier plan et en renforçant le développement durable à Siwa. 20 027 touristes ont visité Siwa en 2016, dont une grande majorité d'Égyptiens, et 21 746 en 2017, selon l'Office du tourisme. Une nette augmentation des visiteurs étrangers a déjà été constatée pour l'année 2018, malgré les restrictions de certains pays occidentaux. C'était donc la citadelle de Chali qui se trouve à Siwa et qui protégeait autrefois ses habitants contre les incursions des tribus nomades et qui s'est transformée en oasis pour écotouristes. Et passant à la mer. Alors, dans les eaux égyptiennes de la mer Rouge, les coraux attirent les touristes plongeurs du monde entier, mais ces récifs sont en train de mourir à cause du réchauffement de l'eau et de la hausse de son acidité. Un commentaire. Les coraux de la mer Rouge en Égypte se meurent dans une eau de plus en plus chaude. Ces labyrinthes de coraux rouges, jaunes ou verts, où se nichent des myriades de poissons aux couleurs chatoyantes, attirent des plongeurs venus du monde entier. Mais entre évaporation galopante et température qui grimpe inexorablement, ils s'éteignent toujours plus vite. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC avait prévenu en octobre 2018 que sans mesure radicale pour stabiliser la hausse des températures à 1,5 degrés centigrades au-dessus des niveaux pré-industriels, 70 à 90% des récifs coralliens disparaîtront dans les décennies à venir. Car quand la température de l'eau augmente, elle retient plus de dioxyde de carbone qui génère de l'acide carbonique, donc non seulement l'eau est plus chaude, mais elle est aussi plus acide. En mer Rouge, où c'est le cas depuis plusieurs années, les coraux qui appartiennent aux invertébrés sous-marins vulnérables à l'acidité en pâtissent déjà. Selon les spécialistes, leur disparition modifiera la biodiversité et donc aura un impact sur les humains et leurs ressources. Et la santé humaine est bien en danger car selon l'ONU, le blanchiment des coraux alliés à la chaleur pourrait engendrer davantage d'épidémies. Face à de tels enjeux et en attendant des décisions mondiales fortes, les plongeurs de Sharm el-Sheikh ont réduit leur activité pour essayer d'enrayer ce phénomène qui menace aussi leur gagne-pain. Outre ces précautions, l'Office du tourisme égyptien a installé des bouées de mouillage pour les bateaux loin des zones des récifs fragiles. Et les 269 centres de plongée qui lui sont affiliés ont entrepris un travail de sensibilisation auprès de quelques 2900 moniteurs. Les instructeurs de plongée ont même arrêté les séances d'initiation, les baptêmes de plongée, tout en maintenant cependant les virées sous-marines des plongeurs confirmés, souvent mieux informés des dangers qu'encourt la biodiversité. Avec autant de débutants qui plongent chaque jour, les récifs ne peuvent pas se régénérer, donc on a pris cette décision temporaire pour leur permettre de respirer un peu. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme « L'Égypte à la une ». Et également la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à NLTV International et bonne journée. Au revoir.